C'est toi le Medjay de Siwa? Je croyais que les Medjay devaient protéger le pharaon. Je ne suis le Medjay d'aucun pharaon. Tu vois ça? Je sais lire mon propre nom, Nek! On te trouvera! On te trouvera! Dans ton sommeil! Mon sommeil, je ne dors jamais. J'attends, moi. J'attends dans l'ombre. Et je vous tuerai tous! Tous ceux qui ont respiré l'air de Siwa ce jour-là! Je vois que tu t'es fait de nouveaux amis. Ils préparaient une embuscade. Heureusement que je suis venu à ta rencontre. Ah. Ça fait des mois. Regarde-moi cette barbe. Ça fait presque un an, mon ami. Quel plaisir de combattre ainsi. Je n'ai plus l'habitude. À Siwa, tout le monde obéit aux soldats sous peine de mourir. Ou pire encore. J'ai tué l'un des porteurs de masques. Le héron. Il en reste quatre. Bien. Le chemin a été long. Tu dois te reposer. Ah, non. Pas question. Je me reposerai quand les tripes des porteurs de masques cuiront au soleil. Bon ça. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Repose-toi, mon ami. On a vécu une journée difficile. Ça, n'en ai aucune envie. Je dois me préparer à l'affronter. Hepzefa! Hepzefa! Les soldats ont encore... Bayek! Rabia! Marabia! J'étais si inquiète pour toi. Ah, tu me connais bien, hein? Tu as de quoi t'inquiéter. Ah. Regarde-toi. Des bleus! Des coupures! Je vais bien. Assieds-toi. Allez. Allez. Je vais m'occuper de ça. Ah, tu n'as pas changé. Toi et Aya, combien de fois je vous ai soigné ou menti à vos parents? Les temps ont changé, mais toi, tu es resté le même. Par le sommeil d'Osiris. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Ah, Rabia m'a soigné, je... Je t'ai laissé dormir. Il te faudra des forces pour affronter Medunamun. Et puisqu'on en parle... Un nouvel arc. Vois s'il te convient. Bien. Hepzefa! Qu'est-ce qu'il y a? Des soldats viennent te chercher! Allez! Viens, vite! Personne ne doit quitter cette maison vivant. Hepzefa! Nous venons seulement discuter. Le nomarque a été tué. Ton ami le Medjay est sans doute coupable. Sors de là, si tu veux tenter de le disculper. Tous les problèmes de Siwa sont là. J'essaie d'aider tout le monde, mais c'est impossible tout seul. Tu es en train de me dire que tu n'as pas les pouvoirs d'un dieu. Mais le vrai problème, c'est l'homme que tu veux tuer. Medunamun. Son arrivée a suscité de l'espoir. On a cru que les choses s'arrangeraient. On a vite appris la vérité, en fait. Je crains pour la sécurité de ta famille, prêtre. Je vais redoubler d'efforts pour la mettre en lieu sûr. Voilà l'homme que tu veux affronter. Je vais le trouver et je vais le tuer. Medunamun est bien plus fort qu'il en a l'air. Et il sait s'entourer des meilleurs soldats. Ça ne changera rien. Tu vas te faire tuer. Il te faut un meilleur équipement si tu comptes affronter ce sac d'os. Au moins une meilleure armure. Ah, je peux m'en occuper. Les armes, ce sera plus difficile. Les soldats ont pris toutes celles du village. J'irai voir le forgeron. Oui,
Benipe pourra te fabriquer quelque chose. Et Senu pourra t'aider à trouver ce qu'il te faut. Senu. Senu est en vie. Regarde qui voilà. Senu, ma grande. Tu es superbe. Abia a bien pris soin d'elle. Je dois la remercier. Les gens ont vraiment besoin de ton aide, Bayek. Tu peux les rallier à ta cause. J'ai bien compris. Justice. Je meurs, mon œuvre inachevée. J'étais si près d'accomplir le règne éternel des forts, des sages et des vertueux. Des vertueux, hein ? La crypte nous offrira le pouvoir des dieux. Alors, la vie d'un enfant. La vie d'un enfant. Papa ? Allez, encore une fois. D'accord. Hey. Eh bien, je peux essayer. Comme ça, j'en aurai deux. Bien sûr. Bon. Lève. Tends. Prêt ? Oui. Et... Oh ! Tu m'as fait rater ! Kemu, par ici ! J'ai trouvé la caverne des Yen. La caverne, oui ! Bah vas-y ! Tu vas l'adorer. Il y a au moins 16 yens. Elles sont toutes noires et effrayantes. Eh ben, en fait, je préférerais aller chasser avec mon papa. Oh, t'as toujours peur de tout. Eh. Eh, eh. Et si on allait chasser pour de vrai, hein? D'accord. Allez, viens. Quel mot il disait, ton père, déjà ? Saute. Ne réfléchis pas. Saute. Oui, papa. Allez, crois-moi. Tu peux. Je sais. J'y vais. Alors saute. Bon, reviens. Il n'est pas encore prêt. Je peux le faire, papa. Je peux. Tais-toi, pauvre petite vermine. Allez, aide-moi. C'est Shenzira. T'es dit de te taire. Retourne auprès de ta mère. Ne t'inquiète pas pour Shenzira. Je m'en occupe. Medjay Bayek. Va, allez. J'ai peur, papa. Je veux pas rentrer tout seul. Oh, Kemu, pour une fois dans ta vie, ne sois pas lâche. Va. Veillez à ce que personne n'entre. Kemu, tu es blessé. Vas-y, essaie à ta manière. Laissez mon fils en dehors de ça. Ton fils a quelque chose à t'expliquer. L'Ibis peut-il lui montrer l'orbe? Nous pensons qu'il faut ceci pour entrer dans la crypte. C'est une perte de temps. L'enfant est effrayé. Tout va bien. En tant que Medjay, tu dois connaître un indice ou une légende qui explique son usage. Je ne sais rien sur cette crypte. Oh, par pitié, ne mêlez pas mon fils à ça. Le pharaon a été alerté. Il insiste. Nous allons être découverts, bête. Parle à ton fils. Si la crypte n'est pas ouverte à notre retour, tu ne le reverras jamais. Tout va bien, fils. Non ?
Je peux te la porter. Non, Kemu, non! Ils vont nous faire du mal. Kemu, il faut... Kemu! Quelle perte de temps stupide! Non, Kemu, Kemu! Non, viens, viens, viens! Parle! Non, je ne sais rien! Nous devons partir! Je vais arracher le cœur de ce garçon! Non, attends, attends, attends! Il ne connaîtra jamais l'autre monde! Oh. Non, 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 je veux parler, je veux parler! Je veux... Non, il veut gagner non, non, non. Du temps! Qu'est-ce que c'est? Arrête! C'est la folie! Le serpent considère que c'est ta réponse! Ah! Non! Kemu! 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 Silence ! On croyait que tu étais mort. Tu n'as même pas été capable de sauver ton propre fils. Tu n'es personne ! Bayek de nulle part ! Misérable père de personne ! Et là, tu meurs au nom de personne! Puisse le cachet t'accueillir! Le seigneur de la droite t'attend! Bien joué, mon ami. Notre héros est de retour. Tu as ramené la joie, Siwa. Je dois partir pour Alexandrie. Il faut que je voie Aya. Allons, ne te précipite pas. Siwa a besoin de son Medjay. Ici, c'est toi le protecteur. Je suis toujours heureux de t'aider. Viens me voir quand tu seras prêt à partir. Nous boirons une bière à notre amitié, mon ami. Je dois quitter Siwa. D'autres coupables attendent leur juste châtiment. Surtout celui qu'on appelle le Serpent. Comment vas-tu trouver ces hommes ? Aya est sur leur trace, à Alexandrie. Tu dois aller la voir. Elle a dit qu'elle allait rendre visite à son cousin à la bibliothèque. La bibliothèque ? Et elle m'a demandé de te transmettre un message. Sarapis. Sarapis. Le dieu que les Grecs et les Égyptiens partagent. Bien sûr, je vois. Et Bayek, occupe-toi de cette barbe. Au revoir, mon ami. Leïla ? Leïla ! Oh, reviens ! Leïla, t'es avec moi ? Abiti ! Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Oui, mais si je veux attirer ton attention, je dois te mettre en rogne. Je fais attention. Bon, tu dois faire une pause. L'animus te rejette. Ah, t'inquiète. C'est pour tes reins que je m'inquiète. Augmente la dose de cyclosporine avant qu'il te lâche. Oui, madame l'infirmière. Non, oh, j'adore quand tu me traites d'infirmière. Alors, ça s'est passé comment ? Mes modifs tiennent. Les mémoires du sujet sont parfaitement claires. Si ça ne convainc pas Abstergo de m'intégrer au projet Animus, rien ne le fera. Oh, super ! Qui tu as là-dedans ? Il s'appelle Bayek de Siwa. À la mort de son fils, c'est devenu un tueur. Il peut intéresser Abstergo ? Arrête ! Ils vont pas aimer la manière dont t'as géré cette mission. Ils savent que je me fous des règles. Peut-être bien, mais on peut dire que cette fois, t'as dépassé les bornes. Et ça n'aura plus d'importance si t'es dans le coma. Allez, va prendre cette cyclosporine. J'ai la cyclosporine. 2 cc devrait suffire. N'oublie pas de nettoyer à l'alcool. Très bien, Sarapis. Et maintenant, où est Aya ? Ah, Sarapis ! J'ai écrit une épopée pastorale tragicomique en son honneur. Ah,
Bayek. Aya a hâte de te voir. Elle va bien ? Vite, suis-moi. Tu m'as manqué. Il ne faut plus qu'on reste séparés si longtemps. Il n'y a plus que nous. Sans Kemu. Soyons heureux d'être ensemble. Tous les deux. L'un pour l'autre. J'ai des nouvelles. Les cicatrices de la justice. Je m'en suis servi pour frapper Medunamun. Ça me peine que nous ayons à faire de telles choses. Mais je suis heureuse que tu aies agi. Pour être franc, j'y ai pris du plaisir. Tes mains m'ont manqué. Te toucher m'a manqué aussi. J'ai tué moi aussi. Actéon. Je l'ai traqué et j'ai découvert un masque dans sa chambre. À son retour, je l'ai contraint à le porter. Et j'ai enfoncé cette lame dans ses yeux. Aya. Mais j'ai été négligente. Un autre porteur de masque m'a suivi chez moi. Ça a été plus dur avec lui. Il en reste encore un. Ensuite, ce sera fini. Regarde ça. Je l'ai pris sur Actéon. Apollodorus pense qu'il s'agit d'un papyrus du Conseil Royal. Ça signifie que le serpent est à la cour de Ptolémée. Comment cet Apollodorus est-il au courant ? Il a des informateurs partout, parce qu'il soutient Cléopâtre. Cléopâtre ? Elle a été déclarée hors la loi. Par son traître de frère. Elle compte reprendre le trône. Elle veut la mort du serpent autant que nous. Elle me fait confiance. Elle m'a donné ça, pour lui ouvrir la gorge. C'est une lame ancienne qui a tué le tyran Xerxès. Un symbole de justice. Ingénieux. Ah. J'irai au palais. Je découvrirai qui utilise le sceau du serpent. Et je me servirai de ceci. Non. Pourquoi m'as-tu entraîné au pays des morts ? Tu voulais tuer ma femme ! Ta chienne de femme est une meurtrière ! Elle a tué délibérément. J'ai fait mon devoir de Philakitai, et c'est pour ça que tu as pris ma vie. Ta vengeance est-elle au-dessus des lois, Medjay ? Prends garde. Les Philakès te traqueront et se vengeront sans pitié. Puisse le cacher marcher à tes côtés. Le Seigneur de la Doite attend. Les documents officiels. Ce coffre appartient au scribe royal, Eudoros. Un double fond. Une lettre. Très cher Ibis, le pharaon demeure docile. Il reste notre marionnette en toutes choses. Agis avec prudence, Asiwa. Le meurtre du Héron n'était pas le premier. Deux d'entre nous ont aussi été tués ici, à Alexandrie. Nous gardons pourtant le contrôle de la situation. Génadios s'emploie à interroger la population. Nous louons tes efforts, Ibis. Longue vie. Marqué du sceau du serpent.
Scribe royal et le serpent. C'est eux de Ross. Que les dieux te maudissent. Pourquoi veux-tu me tuer? C'est toi qui as tué mon fils sous mes yeux! Tu n'es qu'un fou. Au temple! À Siwa! Ce sinistre trou à rats perdu, je n'ai rien à voir avec ce désastre. Il est trop tard pour mentir. Anubis! T'attends. Pour tuer le serpent, ça en valait bien la peine. Le serpent ? Le serpent ne mourra jamais. Fils d'Apep, le seigneur de la droite, attend. Mon amour. Le serpent et Gennadios sont morts. C'était Eudoros. Il a sombré dans les eaux des bains. J'aurais aimé assister à sa mort. Ma femme. Ma femme. Dis. Hey, je me demandais si je devais te sortir de là. Ton adrénaline et ta tension sont élevées. Ça affecte ton rythme cardiaque et tes relevés hormonaux. En particulier la sérotonine et l'ocytocine. Qu'est-ce qui t'est arrivé là-dedans ? Aya est là. C'est qui ? La femme de Bayek. Je la sens, tout près. Tu la sens? Je suis sûre que ça doit être l'effet de transfert. Avec les mémoires de Bayek, tu ressens aussi ses émotions. Non, débile. Je crois qu'elle est dans cette grotte. Les époux partageaient souvent le même tombeau. Une deuxième momie? Il faudrait le signaler à Abstergo. Si on arrive à trouver Aya. Si tu le fais pas, je m'en occupe. Diana, on se fera avoir si on suit les règles. Tu sais qu'ils me laisseront à l'écart. D'accord. J'avais raison, elle est là. Oh, t'es là. Le ciel soit loué. Je sens déjà le goût du sang. Tu dérailles de plus en plus, Leila. On doit faire notre rapport. Pas encore. Pas encore? Mais alors quand? J'ajoute l'ADN d'Aya dans l'animus. Le séquençage va prendre du temps. Tu ne pourras pas te synchroniser tout de suite. Qu'y a-t-il ? Le serpent. Et s'il n'était pas le dernier ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ils sont tous morts. Justice est faite. Si tu as des questions, Apollodorus a les réponses. Il sait tout. Et où je peux le trouver, cet homme qui sait tant de choses ?
auprès de Cléopâtre. Un homme peut y conduire, il est près de l'hippodrome. Hey ! Je vais dire à Phanos que Gennadios est mort et je reviens. Je suis Bayek. Aya m'a envoyé voir Apollodorus. Chut ! Tu comprendras, je pense, que mon maître prenne des précautions vis-à-vis de ceux qu'il rencontre. J'ai une question à laquelle lui seul peut répondre. Je vais lui dire que tu cherches à le voir et qu'Aya te recommande. Attends ce soir. S'il accepte de te rencontrer, tu le trouveras près du phare. Apollodorus. Toi, là ! Es-tu venu me tuer ou m'offrir ton amitié ? Je suis un ami. Bayek de Siwa. Ah ! Alors aide-moi, veux-tu ? Tu es le Medjay d'Aya, hein ? Il y a d'autres survivants ? Seulement Damastès. Ils l'ont fait prisonnier. Et le rouleau, qu'est-il devenu ? C'est Damastès qui l'avait. Cet idiot aurait dû le détruire. Cléopâtre te doit beaucoup. Es-tu en état d'aller voir un guérisseur ? J'ai tué Eudoros. Je t'en félicite. C'était lui, le serpent, hein ? Entre nous, Bayek, tu es encore loin de tout savoir. Entre nous, je veux une réponse. Je veux d'abord voir de quoi tu es fait. Libère Damastès et récupère le rouleau. Je saurai alors si tu es l'homme dont Aya dit tant de bien. Oui, elle m'a surpris avec son mari. Tu verras, c'est une sensation exquise. Par ici. Ne tentez pas, elle n'est pas rentrée. Avec des abeilles. Où est ma pipe d'opium? Je coucherai avec qui veut, dès lors qu'il ou elle accepte d'être exécuté à l'aube. Comme Xantides. Il ne s'est jamais plaint de notre arrangement. Qui est ce délicieux guerrier? Ma reine, voici... Alors? C'est une offre généreuse. Mais j'ai déjà voué ma vie à cette femme. Aya, tu as bien choisi. Venez, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Amusez-vous, mes amis. J'avais dit à genoux. Ah, Bacherepta. Voici Aya et Bayek. Ce sont eux qui ont éliminé Eudoros. Magnifique. Vous joignez à notre cause. Nous ne savons pas quelle est ta cause. Eudoros faisait partie de l'Ordre des Anciens. Ils sont responsables de mon exil. Ils m'ont arraché à mon trône. Et pourquoi je devrais m'en soucier ? Le serpent a de nombreuses têtes. Et ces têtes dirigent l'Ordre. Le serpent est l'homme qui a tué mon fils. Ce n'est pas aussi simple. De quoi est-ce qu'il parle ? Je ne sais pas. Ils doivent savoir quelque chose. L'Ordre des Anciens veut contrôler l'Égypte. Ptolémée est sa marionnette. Nous avons des informateurs dans chaque région. Mais ils sont incapables d'atteindre l'ordre. Dans toute l'Égypte, des forces mystérieuses agissent contre nous. Par exemple, ici, dans le Delta. Les sables engloutissent des villages entiers. Mais une force humaine malfaisante les accompagne. Cette force est un membre de l'Ordre des Anciens, appelé le Scarabée. Et par ici, sur le site sacré de Gizeh, un personnage surnommé la Hyène étend son ombre sur les terres. Ce qui est sûr, c'est que Gizeh est marqué par la mort. Et la ruine. Et puis il y a Memphis. Mon territoire est frappé par une malédiction. Même Apis, le taureau sacré, est affecté. Celui que l'on appelle le lézard a répandu une sorte de... pouvoir démoniaque. Alors le serpent est l'ordre des anciens. Oui. Eudoros était surnommé l'hippopotame.
Tu avais raison, mon amour. Eudoros n'était pas le dernier. Ce sont eux. Quand l'ordre veut quelque chose, comme à Siwa, il n'a aucun scrupule à tout détruire sur son passage. D'abord Siwa, maintenant le Fayoum. C'est la région la plus opprimée de toute l'Égypte. Où le crocodile exerce son emprise. Les habitants vivent dans le chaos et la peur. C'est le sort qui attend toute l'Égypte, si on ne parvient pas à arrêter l'ordre. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu d'assassiner. Nous n'avons toujours pas trouvé l'homme qui a tué Kemu. L'ombre de notre fils pleurera de joie lorsque nous prendrons leur vie. Je fais de toi mon Medjay. Protecteur du seul et unique pharaon d'Égypte. Qu'il en soit ainsi. Ce soir, buvons. Mangeons. Faisons l'amour. Je t'aime. Oui, le dernier homme à avoir posé des questions sur le scarabée a été laissé pour mort. La langue arrachée. Qui était-ce ? Le vieux Koupa, le beau-père de l'homme le plus puissant de la région. Tarka. Ce garçon, Kawab, est son petit-fils. Alors, fatigué de gagner ? Je cherche ton grand-père. Tu sais où il est ? Non, il est parti tôt en direction du camp Pyros. Il devrait déjà être rentré. Je vais voir si je le trouve sur la route. Secoué, battu et mort de soif. Les soldats n'ont pas été tendres avec lui, mais il vivra. Où est ton père, Kawab ? Il faut que je lui parle. Mon père n'est pas là. Il travaille à son œuvre. Mère ! Grand-père est blessé ! Les soldats l'ont encore pris pour un mendiant. Père ! Mais qu'as-tu fait cette fois ? Il cherchait le scarabée. J'espère qu'il pourra m'aider. En échange, je protégerai ta famille. Le scarabée n'existe pas. Tout le monde le sait. Il veut que tu les lises. Apparemment, le scarabée a demandé à des guerriers d'aller à l'Étopolis. Par les dieux ! Mon mari est là-bas ! La ville engloutie par le désert ? Le destin de mon père est de la rebâtir. Nous allons bientôt le rejoindre, n'est-ce pas, mère ? Oui. Mon mari Tarka y trine depuis des mois. Je suis sûre qu'il pourra t'aider. Il connaît tout le monde là-bas. Si tu y vas, dis-lui que j'ai hâte de le revoir. Je lui dirai, Kawab. Ton fils est très fier de ton travail. Tu lui manques. Il sera bientôt là. C'est mon rêve de voir mon fils et ses descendants marcher sur mes traces. Les rêves des grands hommes bâtissent le monde. De quoi rêves-tu, Bayek ? Ah, je n'ai pas le loisir de rêver. Je cherche le scarabée. Le scarabée s'en prend aux faibles. Il ne me menace pas. Tu n'as pas peur du scarabée, Tarka ? Pourtant, après ce qu'il a fait au père de ta femme... Le sort du pauvre Koupa m'attriste.
Quelle que soit l'œuvre de ma vie, quelle que soit ma responsabilité, je prie les dieux pour leur pardon. Maître Taharqa, ils attaquent de nouveau les ruines. Bayek, viens te battre avec moi. Tempête de sable. Ravi que tu aies fait bon voyage, Maharet. Oui, les dieux ont béni notre périple. On a vu des vautours, et une hyène, et tout ce sable. Assez de sable pour remplir une vie. Voilà pourquoi il nous faut tant d'hommes pour accomplir notre tâche. Et que promets-tu à ces hommes, Taharqa? Une parcelle de terre et une maison à leur nom, à condition qu'ils les reprennent au désert. C'est tout? Ils doivent déterrer leur maison. Ce n'est pas une tâche si facile. Nous devons tous œuvrer pour honorer les dieux. Les gens savent que mon père dit vrai. Et tu as bien raison de l'honorer, Kawab. Au sauveur de l'Étopolis. Partageons ces quelques dattes au miel. Et... tout va bien, Bayek? Stark, jusqu'à ton dernier jour. C'est bien. Bon cheval. C'est donc ainsi que meurt un rêve. J'aurais pu bâtir quelque chose d'éternel. Et Gupa aurait pu chanter les louanges de tes prouesses. Je regrette bien des choses. Nous œuvrons pour des forces supérieures. Nous sommes tous des jouets des dieux. Nul n'échappe. Je ne suis qu'un membre de l'Ordre des Anciens. Cette victoire ne t'offrira pas la paix. Ce n'est pas la paix que je cherche. Ce n'est pas pour mon âme que je mène ce combat. L'Ordre des Anciens m'honorera comme le porteur des eaux et le bâtisseur des villes. Où le désert reprendra sa place et dispersera le rêve de l'Étopolis comme du sable. Soin de lui. Si tu peux, essaie de lui expliquer. Quelles horreurs as-tu fait entrer dans ma maison? Tu étais aveugle. Mais désormais, tu dois ouvrir les yeux. Ton mari était le scarabée. Il était coupable. Il a battu et il a torturé ton père. Et d'autres gens avant lui. Non! Tu dois désormais élever ton fils dans la lumière. Loin du sang et des ombres répandues par ton mari. Pardonne-moi, mon fils. Oh.
Comme à la bataille de Salamine, capitaine. Je t'ai pris au piège. Voilà ce bon vieux Thémistocle. Et la partie est gagnée. Kamoto, Phoxidas, pourquoi doit-on livrer tous ces trésors? On pourrait aller vivre la belle vie à Lesbos avec tout cet or. Que veux-tu, rat du désert? Si ce coffre ne parvient pas à pomper ce navire non plus. S'il le faut, nous ramperons devant Hadès pour le livrer. Très bien. Au travail, bande de Vlakos. Damastès, mon fidèle porteur de bouclier, active-toi. On nous a engagés pour soudoyer Pompée, pour sauver une reine et gagner un royaume. Rien d'inhabituel pour des mercenaires. La guerre civile ravage l'Égypte et une trirème de mercenaires vient à mon aide. En plein conflit avec César, c'est étrange tout de même. Paradès, qui êtes-vous? Nous aurions pu te laisser mourir. Pompeius Magnus, salutations et bienveillance de la reine Cléopâtre. Cléopâtre offre de l'or pour s'assurer mes faveurs une fois que j'aurai Rome. Est-ce là toute la bienveillance de ta reine? Quel visage vois-tu sur cette pièce? Les Romaines ont-elles droit à un tel honneur? Une alliance avec Cléopâtre est une véritable union de pouvoir. Elle ne veut pas d'un simple allié. Elle cherche un roi. Une amitié précieuse, alors. Entendu. Ma flotte fera bientôt voile vers l'Égypte. Bienvenue chez Mered, voyageur. Alors ? Qu'en penses-tu? Rien. Alors va-t'en. Ah, mais je n'ai pas fini. Que veux-tu dire? Je n'ai rien d'autre à te montrer. Mais tu as des choses à me dire, au sujet de la hyène. Ah, c'est drôle. Il se trouve que c'est l'article le plus cher de tout mon stock. Oui, très drôle. Et tu devras payer comptant. Maintenant, qu'as-tu à me dire? La hyène, ce n'est pas son vrai nom. Bon, d'accord. Ce n'était pas très drôle, je le reconnais. Où est-ce que je peux la trouver? Son nom, c'est Calicette. Tu vas m'aider. Des clients m'ont pris mon cheval à la suite d'un différend. Il campe dans une carrière au sud d'ici. Prends mes hommes, récupère mon cheval, et je te donnerai ce que tu cherches. Je me demande bien pourquoi Apollodorus t'apprécie. Toi de remplir ta part du marché. Je n'ai qu'une parole. Mais j'ai encore une chose à te demander. Ah, j'en ai assez de tes jeux. D'accord. La hyène vit dans une caverne, derrière ses hauteurs. Nuit et jour, elle arpente le désert en quête de Silice, les précieuses larmes des dieux. Mieux vaut ne pas raconter ce qui est arrivé à ceux qui ont tenté de s'interposer. Je découvre que tu te moques de moi. Ce ne sont pas mes paroles qui vont te blesser. Je ne dis que la vérité. Je n'ai aucune raison de te défier. Calicette exécutait un rite. Ses premières offrandes étaient adressées à Osiris. Elle a sacrifié ses prisonniers à l'aide d'un couteau. Elle a récupéré leur sang pour ses sombres desseins. Elle a essayé d'apprendre ses étranges symboles. Elle a dû les trouver dans cette salle. Dès qu'elle a appris les symboles, elle les a gravés ici,
et elle a fait une dernière prière au-dessus du sarcophage. Kalisset devait sûrement tenter de ramener quelqu'un à la vie. Mais qui est enterré ici ? Un enfant. Mon enfant ! Tu as perdu ton enfant ? Non ! Son repos n'est que temporaire. Tu es intervenu dans sa renaissance. Et pourtant, tu as rejoint l'ordre. Ravagez ce tombeau ! Kalisset ! Ne prononce pas mon nom ! Mon nom ne peut franchir les lèvres de celui qui l'a déshonoré ! Je suis une bonne mère. Aya ! Maintenant, je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui profanent le tombeau de ma fille. Vais-je marcher parmi les morts ? Une fin juste. Tu as profané les morts. Et aidé ceux qui ont tué mon fils. Tout ça par pur égoïsme. Non ! J'ai rassemblé de la silice pour eux. Elle a animé la pierre magique de ceux qui étaient là avant. Tu l'as vu, n'est-ce pas ? Il fallait en apprendre les symboles. Elle ne nous est pas destinée ! C'est sans importance maintenant. J'ai voulu protéger ma fille dans la vie et dans la mort. Chaque fois j'ai échoué. Osiris ! Accorde-moi ces retrouvailles ! Je marche seule dans les champs de roseaux. Fais gérer à jamais dans la douate ! Je veux retrouver ma fille ! Pitié ! Nous avons peut-être oublié une partie du rite. Si ça continue, je vais vomir. Sois certain d'une chose. Si notre enfant vient à mourir, je meurs. Non, mon Lotus, tu ne dois pas dire ça. Je dois me rendre chez le clairvoyant. Laisse-moi, je t'en prie. Prêtre. Ah, Bayek. Désolé, je suis... Je suis venu chercher le lézard. Oh, le lézard. Un fléau de plus pour notre pauvre Memphis. La ville souffre d'une terrible malédiction. La maladie, la pestilence, la puanteur empoisonnée de l'air. Le taureau Apis est malade aux portes de la mort. Les dieux nous ont abandonnés. Les gens me consultent pour que je les guide, mais je suis aussi désemparé qu'eux. Bâche. Apis, de quoi nous punis-tu ? Bâche. Le mal se répand même à ma propre maison. Ma femme Taïmotep a fait 3 fausses couches cette année. Elle est de nouveau enceinte, mais si... Si elle en perd un 4e... Je vais enquêter sur cette malédiction. Le clairvoyant de ma femme t'aidera. Sa maison se trouve au sud-ouest. Si les dieux sont responsables, je serai à tes côtés pour affronter leur jugement. Grandis, lueur ! Approche ! Ô lueur ! Oh, mon enfant ! Tu es arrivé, enfin. Qui est cet homme ? C'est le Libérateur. Moi qui l'attends depuis si longtemps. Quoi ? Vite !
Aide-moi à tirer mon enfant des griffes de la mort. Accomplissons le rite. Sotis, révèle-toi en ce jour et réponds-moi sans détour. Laisse tes yeux s'ouvrir. Dénué d'humidité, tu dois sortir du ruisseau. Sotis, laisse leurs yeux s'ouvrir. Laisse tes yeux s'ouvrir. Ils sont revenus, tirés des griffes de celui qui plonge leurs yeux dans le noir. Mon enfant est en vie. Loués soient les dieux. Que vois-tu ? Ton ennemi est le même que le sien. Refuse la nourriture du temple. Celui qui la prépare te fait ingérer la chair des morts. Va, tue l'empoisonneur, et libère Memphis de cette funeste engeance.
Loué soit celui qui nous délivrera tous. Aya! Mon amour. Tout va bien? Mieux, maintenant que je te vois. Il y a une lueur étrange dans ton regard. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rêvé de notre fils. Bayek. L'épouse du grand prêtre a été empoisonnée. Et selon son clairvoyant, l'empoisonneur est notre ennemi. Le lézard? C'est ce que je crois. Le taureau Apis aussi est à l'agonie. Nous devons nous rendre au temple. Nous parlerons de tes rêves en chemin. Par où on commence? Va inspecter l'enclos. Je vais parler aux prêtresses. Ah, je vois. C'est à moi de marcher dans la boue. La vérité est à l'intérieur. Des noyaux de pêche. Ça avait tué la moitié des bêtes de mon père. C'est un moyen subtil d'empoisonner un animal. Mes sœurs, c'est sans doute un accident. Peut-être. Mais pas autant. Nous devions sauver Pancratès! Hein? Qui? Notre frère! Des bandits l'ont enlevé alors que nous allions au marché. Ils nous ont forcés à empoisonner le dieu. Ils ont menacé de jeter notre frère au crocodile! Depuis, nous en avons perdu le sommeil. Je suis désolée. Nous n'avions pas le choix. Jamais nous. Je n'aime pas ça. Ce ne sont pas des malédictions. C'est l'ordre qui est derrière tout ça. Pancratès! Tu es blessé? Ils t'ont maltraité? Ils m'avaient ligoté. Ils me donnaient des croûtes de pain comme un vulgaire mendiant. Alors? C'est l'œuvre du lézard. Et je vais encore avoir le sang d'un prêtre sur les mains. L'ordre se répand partout. Pour protéger l'Égypte, je suis prête à tuer un millier de prêtres. Nous sommes tous deux voués à la violence. Maintenant. Et à jamais. Tant qu'ils régneront, les dieux maudiront le pays et retiendront les eaux de notre fleuve. Mais quand la déesse vivante aura pris sa juste place sur le trône, alors les crues reviendront. Grâce à moi, Memphis scintillera comme un sublime rubis serti d'or. Grâce à moi, l'Égypte triomphera. Je ne dois pas les perdre. Il faut qu'ils prennent ma voix pour celle de la déesse. Ma reine? Le taureau Apis souffre-t-il toujours? Nous avons découvert la cause de son mal. On l'a empoisonné. Qui a osé? Les prêtresses jumelles. Qu'on les fasse bouillir dans un taureau de bronze. Déesse, non! On les a forcés! Leur frère a été enlevé par un prêtre qui porte une écharpe bleue et qui tousse. Et Tepi? Mais c'est l'un de mes plus proches conseillers! Celui qui vit dans ton ombre est le plus à même de te trahir. Si même Tepi est contre moi... Ils menaçaient ta femme et ton enfant, mais ils sont en sûreté. On va s'occuper de lui. Les prêtres d'Anubis vont accomplir des rites dans le grand temple. Tu les reconnaîtras à leur masque. Ma lame sera aussi efficace que la sienne. Non, Aya. J'irai. Peu m'importe qui de vous tuera ce prêtre. Que ce soit fait avant que nous prenions la route d'Héracléion. Attends. Que Ptahnoun le père insuffle sa force à ton bras. Le lézard, le prêtre qui a maudit Memphis.
Je suis le visage de la vieille Égypte. La vieille Égypte est trop cruelle. Des innocents, mutilés. Des enfants tués avant de naître. Le grand prêtre, calomnié. Avant même ta venue, son nom était déchu. Le peuple est le bétail des dieux, mené par le fouet du bouvier. Tu en fais partie, Bayek. Tu n'es qu'un veau. C'est la volonté qui m'anime. Pas la peur. Oh oui. Et qui tient le fouet qui s'abat sur ton dos? Qui exige que ma mort vienne ternir ton cœur? Je réponds à mes dieux. Toi, affronte les tiens. Ma reine, elles n'ont agi que pour lever la menace qui pesait sur leur frère. Les malédictions ne te gêneront plus. Memphis est de nouveau à vous. À nous. Cette sombre affaire est réglée. Nous pouvons enfin préparer la fête d'Apis. Puissent les démons dévorer le Kaad et Tepi. Et puissent les meurtriers de Kemo connaître le même sort. Te quitter est un supplice, mais je dois y aller seule. Aya. Je ferai honneur à mon devoir. Et où va-t-il te conduire? Au nord, pour mettre le feu à la mer. Mon esprit ne te quittera pas. J'espère que nous chasserons de nouveau ensemble. En attendant ce jour, la nuit nous appartient. Alors, comme ça ils envoient un fils d'Égypte m'affronter. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas versé tant de sang. Je viens de la part d'Apollodorus. Nous avons un but commun. Qui es-tu? Et que me veux-tu, hein? Je suis Bayek de Siwa. Je cherche des informations sur le crocodile. Le fantôme qui a mis le Fayoum à genoux, qu'est-ce que tu lui veux? Il fait partie d'un groupe qui détruit l'Égypte. Je vais les traquer et les éliminer jusqu'au dernier. Bayek de Siwa, tu ne sais pas à qui tu te mesures. Le crocodile a transformé les terres, mais aussi les gens. Ceux qui ne tremblent pas de peur sont forcés à travailler pour lui. Et tu n'as aucune idée de qui est le crocodile? J'ai volé un registre à un magistrat grec que je soupçonne de corruption. Il devrait révéler l'identité de ce crocodile. Et si nous l'apportons à Apollodorus, nous pourrions faire tomber toute l'organisation. Où est ce registre? Ma femme Kenout l'a caché. Tant que les sbires de Ptolémée pensent que je l'ai, ma famille ne craint rien.
C'est pour ça que je me déplace sans cesse. Tiens, ça prouvera à Kenut que tu es digne de confiance. C'est pour ma fille, Shadia. Lorsque tu l'auras, retrouve-moi sur les quais au sud de Emeria. Oh, j'adore ma nouvelle poupée, Bayek. Je vais l'appeler Izette. Et maintenant, c'est elle qui va protéger tout le Fayoum. Depuis Côté Fraise s'est emparé de ce registre, le Fayoum est à cran. Des soldats armés de torches patrouillent toutes les nuits. Ce sont eux qui ont détruit cette cuisine qui doit nourrir les miséreux. Au moins, ils ne s'en prennent pas à Shadia ou à moi. Mon mari Otefres y a veillé. Où se trouve le registre ? J'ai chargé notre plus fidèle serviteur de le cacher dans notre villa. Ils peuvent fouiller les lieux autant qu'ils le voudront. Ils ne le trouveront jamais. Tu peux m'y conduire ? J'ai été convoqué au phare pour une autre de leurs enquêtes de routine. Ah, ça pourrait être dangereux. Les hommes de Ptolémée sont sans doute de mèche avec le crocodile. Ça arrive très souvent par ici. Ne t'en fais pas. Je suis sûre qu'ils n'oseront pas s'en prendre à quelqu'un qui porte un titre officiel. Shadia, montre à Bayek comment aller chez nous. Tout est fini. Le crocodile a gagné. Le registre est perdu. Ma fille, ma Shadia, ce monstre nous a tout pris. Il va payer pour ça. Lui et tous ceux qui le servent. Ça ne nous ramènera pas Shadia. Non. Mais au moins, tu auras la consolation de la vengeance. On l'aura tous les deux. Je l'espère. Je ferai tout ce que je pourrai pour t'y aider, frère. Kenut a pu t'apprendre quelque chose ? Seulement que les soldats étaient avec d'autres hommes. Des guerriers, de grande taille. L'un d'eux était roux. Des bandits ? Des soldats ? Je crois que c'était des gladiateurs, de la reine de Crocodilopolis. Apparemment, ce monstre aime faire appel à des combattants. Je vais le trouver, ce monstre, mon ami. Et il mourra. Plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais dans le Fayoum ? On raconte que c'est un bon endroit pour prospérer, hein ? Mais je ne m'attendais pas à t'y trouver, Kensa. Que veux-tu ? J'ai cédé au charme de la reine. Qui aurait cru ça ? Me voilà gladiatrice. Mais viens, viens, allons parler. Et boire. Ah, Bayek, mon rêve est à portée de main. Si seulement l'occasion se présentait, je pourrais devenir championne de la reine. La célébrité, la richesse, le luxe, tout ce dont peut rêver une femme, hein ? C'est pour ça que je suis au Fayoum.
pour me bâtir une nouvelle vie et oublier le passé. Mais on me refuse l'entrée de la reine. Tu as donc enfin renoncé à essayer de redresser les torts ? Bien, c'était une cause désespérée. La confiance de Félix se mérite. Mais ne t'en fais pas. Avec mon soutien, nous nous battrons bientôt côte à côte. En attendant, buvons. Nous irons à l'arène demain matin et je ferai les présentations. Ah, je suis heureuse que tu sois ici, mon ami. Je veux que cet homme soit mon partenaire. Il se trouve que ce pauvre crétin d'Ibère a été mis en pièces par des lions. J'ai peut-être une place pour toi, et si Kensa se porte garante. Si vous faites équipe tous les deux, il va falloir qu'on vous trouve un nom. Que dites-vous des guerriers de Siwa? Je crois que gardien de Siwa serait plus approprié. Ce sera assez marquant pour toi. Ça ira, j'ai déjà entendu pire. Allez, entrez. Voilà les miettes que Félix va jeter sur notre passage. Ce sera une pitance bien maigre, frère. Je vais te trancher les bourses et te les faire manger. Le principal obstacle à notre gloire, les frères Gaulois. J'en ai entendu parler. Victoire pour les gardiens de Siwa, les nouveaux favoris de l'arène. Qui sait jusqu'où leur fougue et leur talent les mèneront. Les gardiens de Siwa ont de nouveau gagné. Les frères Gaulois seront-ils les prochains? Désolée de t'avoir laissé seul, mais on dit que tu as fait des prouesses. Félix t'avait confié une tâche. Pour le compte de qui? Je te dirai tout en temps voulu, frère. Mais sache que notre avenir n'a jamais semblé aussi radieux. Bayek. Voilà le moment que nous attendions. Notre chance de nous emparer du titre de champion. Sadia, vous méritez au moins la mort. Petite près du phare, on l'a pas tué, je le jure. Nous avons fait des choses terribles, horribles. Mais ce n'est pas nous qui avons tué cette petite. Saluez les nouveaux champions. Les gardiens, c'est vrai. Siwa. Nous avons vu les soldats capturer cette fille et l'amener à Berenike. Au crocodile. C'est elle qui a noyé l'enfant. Elle a pris un livre, puis elle a ordonné qu'on attache une pierre à ses chevilles et qu'on la jette à l'eau. Nous, on n'a rien pu faire. C'est pour ça que tu es venu à moi, n'est-ce pas? Pour démasquer cette mécène, ce crocodile. Bayek, pourquoi tu ne m'en as pas parlé, hein? J'aurais pu t'aider.
Tu es une mercenaire. Alors, tout comme eux. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Quel sera le sort des vaincus? Non. Vont-ils vivre? Bayek. Ou mourir? Tu me connais mieux que ça. Mourir. Bayek, il faut que tu saches. Ainsi, c'était Berenike. C'est elle, le crocodile. C'est elle qui a tué Shadia. Qui a causé la ruine de tant de gens. Elle se voit comme une bienfaitrice, la source de la prospérité dans le Fayoum. Et son influence s'étend à toute la région. Elle tient sa richesse de son domaine au nord de la ville. Le grenier de Kerkesusha. Le plus grand de toute l'Égypte. Elle a tissé des liens avec d'autres personnes influentes du Fayoum. Chaque soir, elle se retire dans sa villa. Où elle achète leur faveur par des cadeaux et des flatteries. Alors c'est là que je la trouverai. Je te remercie pour ton aide, mon ami. Que vas-tu faire maintenant? Me retirer dans notre villa. J'ai besoin de boire. Kenout et moi devons faire notre deuil. À bientôt, Bayek. Quand tu auras fait ce que tu dois faire, nous aurons plaisir à te revoir. Shadia! Tué par l'un des vôtres. Shadia. Qui? Shadia! C'est l'enfant que tu as fait noyer! Comme tous les tiens, tu es incapable de voir le grand destin qui attend l'Égypte. C'est ce que tu te forces à croire. Tu ne te souviens pas de ceux que tu as tués? Elle était la fille de Kenout et d'Otéfrès. Kenout est têtu comme les pierres. Ce registre aurait pu mettre fin à tous nos espoirs. Tu as détruit des familles. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je détruirai tout ce en quoi tu crois, Berenike. Et j'éliminerai tous tes semblables. Pour l'instant, tout ce qui compte, c'est de venger Shadia. Son nom sera le dernier mot que tu entendras. Shadia! Il y a un fourgon dans la ruelle! Oh mon dieu! Un fourgon? Aya! Qu'est-ce que t'essaies de... Oublie, Aya, tu veux bien? Abstergo est là! Ils ont dû découvrir que... Oh merde! Oh fuck! Dis! Oh. Non! Ils sont là aussi! Ok, Leila, écoute, je te connais. Je sais que tu réussiras à t'en sortir. Non! S'il vous plaît. Non! Dis! Non, dis! Non, 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 non! Ah! Va te faire foutre, Abstergo! J'irai jusqu'au bout! Ah, regardez qui est de retour. Bayek de Siwa. Tu es le bienvenu à Héraklion, ville de vin... de femmes... et de tout ce qu'un Medjay peut désirer. Et mériter. Ah, à la reine. Bayek, tu arrives au meilleur des moments. Cléopâtre, je traque toujours les hommes qui m'ont pris mon fils. L'ordre a été neutralisé. Mais ai-je tué pour toi ou pour moi ? J'ai deux autres noms. L'ordre ne peut... Et combien d'autres noms après cela? Autant qu'il en faudra. Je dois conduire mon fils dans l'autre monde, là où est sa place. Je t'apprécie, Cléopâtre. Mais les intrigues qui séduisent tant ma femme n'ont aucun charme à mes yeux. Que représente cet insigne? L'aurais-tu oublié? Cet insigne représente davantage pour toi que pour moi. Nous n'affrontons pas qu'un seul homme. Rien n'est aussi simple. Aya a compris la nature de ce nouvel équilibre. Je suis ton pharaon, et tu es Medjay de toute l'Égypte. Suis-moi, j'ai un présent. Vous toi ! Pourquoi vous ne tuez pas, bande de lâches ? Un cadeau pour toi. Il appartient à l'ordre des anciens comme Septimius. Il rôdait près de la villa. Il sait probablement qui a tué ton fils.
Mon frère Septimius a tué ton fils, et j'ai aucun remords. Tu vas en avoir, des remords. J'ai baisé ses jumeaux, Venator. Ça te suffit ? Je vais lui soutirer d'autres informations. En attendant, va visiter le bordel de la ville. Oui. Va te plonger dans cette ville dionysiaque et découvre le complot qui nous vise. Par les dieux. C'est un plan ingénieux. Un des hommes se déguise en femme pour infiltrer le palais. Il se déguise en marchand de vin et déclenche un incendie pour semer la panique. Et un archer profitera de la confusion pour abattre la reine, depuis une hauteur. Venator n'est pas qu'un sbire de Septimius. Il a ses propres agents au sein de l'ordre. Je dois les trouver avant qu'ils n'attaquent. Bayek ! Oh ! Ah, tu portes l'odeur de la mer. J'ai navigué au large pendant un long moment, mais je te suis revenu. Vite ! Hé, vieil homme. Oh, tu es blessé. Une simple écorchure. Je vais bien. Plus rien ne me fait mal. Mon esprit est agité. Ma vie n'est plus qu'une suite de soumissions, alors qu'on attend sans cesse à mes joues. Ma reine, reposez-vous. Je n'ai pas besoin de repos. Cette guerre civile s'éternise, et j'exige qu'on me donne un trône. Celui qui me revient pourri dans les mains de mon imbécile de frère. Dis à Phoxidas de préparer le navire. Allons retrouver Pompée. Mon dernier recours. Vous deux allez lui annoncer notre arrivée. Bien, ma reine. Bayek, si on ne rejoint pas Pompée rapidement, Septimius nous devancera. Ah, Septimius nous a devancés. C'est étrange, tous les grands hommes finissent par nourrir les asticots. Oui, c'est le cimetière de nos ambitions. Non, non, ce n'est pas possible. Où est César ? Il est arrivé à Alexandrie. Il est très bien gardé, il ne peut pas... Qu'on me mène à lui. Je verrai César coûte que coûte, même s'il faut qu'on me traîne comme une moins que rien dans les égouts du palais. Il est rare que je transporte une déesse. À notre bord, nous n'avons ni roi ni reine, mais pour moi, nous sommes tous des dieux et des déesses. Tu seras donc en bonne compagnie. Toute chose étrange et terrible sera la bienvenue. Je crains que mes quartiers ne soient pas aussi confortables que votre palais. Le confort ? Je le méprise. Loyal porteur de bouclier, tu te sens bien ? Je suis en émoi devant cette déesse. Elle mérite nos égards. J'ai peine à croire qu'elle soit à notre bord. Ne te fie pas aux apparences. C'est surtout elle qui a besoin de nous. Aya, voilà la véritable déesse. Là-bas, tu as vu au loin ? Aya, tu montres déjà à Bayek les meilleurs endroits où faire l'amour, hein ? Assez, Fox. L'heure est au combat. L'air est vicié, c'est pas les rameurs, c'est autre chose. Attends, Phoxidas. Regarde, là, dans l'eau. Ne crions pas victoire trop vite, vieil homme. Nous sommes en mer avec une cargaison qui vaut 1000 navires. Tu
Je me demande si Cléopâtre est indemne. Ses vêtements avaient l'air très coûteux. Ils sont tous saufs, c'est fini. Attaque par tribord. C'en est pas fini. Ces Malakias ne sont pas encore morts. Prenez les radeaux et profitez du brouillard pour fuir. Je vais m'occuper d'eux. Le destin est parfois aussi vil qu'une gare, Saya. Profite des eaux calmes. Je vais rester dans la tempête. Ah, fuyez, bande d'idiots. Ouvriez ces flèches de feu. Avant le combat, nous honorerons notre déesse. Nous ne pouvons pas verser de sang romain. On ne s'aventure pas dans le palais armé jusqu'aux dents. Alors laissons nos armes. Armées ou pas, ils la reconnaîtront. Pour une fois, une entrée de reine ne sera pas nécessaire. Pompée était ton ennemi, César. Il a d'abord été mon ami. Mais tu as raison, Ptolémée. Parlons plutôt de cette alliance. Que se passe-t-il ? Pardon, grand César. Voici un présent de notre pharaon Cléopâtre. Pharaon ? Ce n'est pas un présent. Ce sont des amis de ma sœur. C'est un piège. Au lieu d'un émissaire, Cléopâtre m'envoie cette chose ? Je me demande comment vous êtes tous entrés dans mon palais. Garde ! Tue ces traîtres ! Mon pauvre frère a laissé le vin tourner au vinaigre et mon royaume tomber en ruine. Grande dame, ton audace n'a d'égal que ta beauté. Flavius, je te prie. Je peux t'offrir ce dont mon frère n'a su me faire profiter. Le mariage. Un vrai mariage, bien sûr. Si tu t'allies à ma sœur, je ferai exécuter tous les Romains d'Alexandrie. Tes menaces sont risibles, petit frère. Dehors, tous. Je vous ferai appeler dès que cette affaire sera réglée. Je veux entendre la version de chacun des Ptolémées. Potinus et Septimius ont disparu. On les a ratés. Tu auras bientôt ta vengeance. L'heure est venue pour Cléopâtre de devenir notre reine. Si elle est couronnée, nous pourrons agir de l'intérieur. Détruire leur toile. Demain, la reine aura transformé la flatterie en accord. Retrouvons-nous dans les jardins au lever du soleil. Vous avez prouvé 1000 fois votre valeur. Vous êtes de grands Magi. Le bâton qu'il a en main, les inscriptions. Depuis mon enfance, cet homme est mon idole. Tu lui ressembles. J'ai pleuré au pied de sa statue à Rome. À 30 ans, il était un dieu dont l'empire s'étendait sur tout le monde connu. Qu'ai-je fait de mes 5 longues décennies en ce monde, Itam et Diovent ? Ensemble, nous ferons bien plus qu'Alexandre. Oui. Quand est-ce que la reine va cesser d'impressionner César pour s'intéresser à nous ? Nos besoins sont aussi les siens. Elle réussira.
Ave, César. Nos émissaires ont été capturés par la garnison sud d'Alexandrie. Les soldats font état de comportements hostiles. Capturés? Est-ce la diplomatie de Ptolémée? Je vais dépêcher ma garde. Des soldats grecs circuleront plus facilement que des Romains. Ma reine, laisse-nous régler cette affaire. Flavius, approche. Vois. Il faut alerter César. Dis-moi ce qui s'est passé. Septimius, il prépare un blocus du port. Ils veulent prendre le palais. Je ne trahirai pas César! Combien de têtes devrais-je couper avant que César comprenne? C'est inutile. Changeons de méthode. Le lion dit qu'il faut marcher sur le phare et prendre la reine au piège. Et puis ils ont dit... Ils sont partis pour... Où? Où? Tu as des hommes sur qui tu peux compter. Septimius veut te piéger dans le palais. Le temps presse. La guerre, je le savais. Flavius, ils veulent le feu. Alors allons incendier ce port. Si nous changeons la lumière du phare, le reste de la flotte saura quoi faire. Nous la rejoindrons en char. Salvez, grand César. Je vais donner l'ordre. Ma reine, tu devrais m'accompagner au combat. Je resterai sur le trône pendant que ces soldats s'étriperont. Je resterai reine jusqu'à ce qu'une épée me transperce le cœur. Et là, mon sang restera sur le trône. Dans ce cas, je reste. Ma vie est à jamais entre tes mains. Maintenant, la partie cruciale du plan. Place ceci dans le foyer du phare. Elle m'accompagnera à travers la ville. Alors, que règne le chaos. Aya, si tu rencontres mon frère, fais ce qu'il faut. L'odeur de la guerre! Nous allons mettre notre reine sur le trône! Tu es la seule reine qui mérite un trône! Donne-moi la poudre. César pense qu'une femme n'est pas digne de cette tâche. Prouve à César qu'il a tort. Il m'a semblé entendre un scarabée escalader ma tour. Par Zeus, comment as-tu tué mon capitaine? Les hommes de Ptolémée enfoncent nos lignes. Non. Nous attendrons de voir le signal. Comment as-tu pu confier à une femme une tâche d'une telle importance? Comment la flotte va-t-elle recevoir ses ordres? Patience, César. Allez, Age, Pactaest. Allez, rejoignons le champ de bataille. Mechai, couvre notre retraite. Beaucoup ont douté d'Aya. Mais tous ont péri par sa lame. Ah hey hey là, la flotte. Là, je n'ai plus rien à lancer. Quand tu veux, Bayek. Chantera nos prouesses, Bayek. Allons, rejoignons les navires. Nous serons les héros de la lame et de l'esprit.
La ligne mesure 3 stades. D'après nos spéculatores, c'est Potinus qui mène la charge. Continue à occuper les soldats! Je me charge de Potinus! Ad victoriam! Ton rôle au sein de cet ordre malfaisant prend fin, Potinus. Affronte ton jugement. Ils sont allés trop loin, Assiwa. Je le savais. Mais je ne souhaitais que la paix pour l'Égypte. Ta paix a fait couler beaucoup de sang. C'est inévitable. Aucun régime n'y échappe. Je m'excuse, Bayek de Siwa. Voilà qui paiera mon passage. Puissé-je aller vers ma gloire? Il n'y a plus de gloire en Égypte. Je t'ai manqué. Arrête, Bayek! Septimius est un Romain. Il sera jugé selon nos lois. Il a tué mon fils! Nous avons vaincu tous nos ennemis. Moi seul peux mener l'Égypte vers une nouvelle ère de bonheur et de prospérité. Tu es du côté de Septimius maintenant et nous sommes bannis du palais. Je ne condamne pas le venin dans tes yeux, mais écoute-moi. Parle et fais vite, ou tu te retrouveras du mauvais côté de ma lame. Nous n'avons plus besoin de tes services. Cléopâtre t'a offert de l'or. Je suis désolé, Aya. Désolé ? Nous lui avons tout donné. Elle nous doit sa couronne, et elle se tient près de lui. Et où est la justice qu'on nous a promise ? Septimius devait être jugé par Rome. César protège l'ordre? Ces compromis ont fait de Cléopâtre notre reine. L'homme qui a tué notre fils est maintenant ton allié. Tu comprends qu'on ne reculera devant rien pour le tuer? César te reproche la mort de Ptolémée. Un pharaon, un dieu, je ne peux rien faire. Je me moque de ce que pense César. C'est avec Cléopâtre que j'ai conclu ce pacte. Laisse-moi du temps. Je vais arranger cela, Aya. D'ici là, je t'en prie, sois prudente. Tout n'est pas tel qu'il le paraît. Traître. J'aime les mots, mais je ne sais que dire. Cléopâtre a été empoisonné par Rome, et nous par sa traîtrise. Nous brûlerons avec l'Égypte.
L'ordre est plus puissant désormais. Il tient Rome. Arrêtez, arrêtez. J'ai eu tort. Je suis responsable. Quand mon fils est mort, j'ai réagi avec rage, avec violence. Et ça n'a fait que les rendre plus forts. Nous sommes tous différents. Et nous avons combattu côte à côte pour que Cléopâtre monte sur le trône. C'était une erreur, mes amis. Mais c'est une erreur qui nous a réunis. Maintenant, nos ennemis triomphants se cachent derrière des couronnes. Ils sont tapis dans l'ombre des rois et des reines. Mais qui se cachera dans l'ombre du peuple ? Nous ! Quelque chose va naître de nos épreuves. Et cela commence aujourd'hui. Nous devons poursuivre le combat et défendre la volonté du peuple. Peu importe sa taille. Notre confrérie est le seul espoir. Et notre royaume n'a pas besoin de couronne. Ce en quoi nous croyons, nous, nos valeurs, notre credo, nous unifiera. Et je promets, au nom de tous les fils d'Égypte, que je serai le père que je n'ai pas été à Siwa. Pour la confrérie. La confrérie ! Tu avais raison. Je me suis fiée à la mauvaise déesse. Mais il reste une chose à régler. Septimius. Il a pris le bâton d'Alexandre. Pourquoi ? Tu as raison. Flavius et lui s'intéressaient au tombeau d'Alexandre. Commençons par là. Cesse de t'agiter. Tu vivras... Flavius est derrière tout ça. Oh, je suis désolé. C'est Flavius qui a tué votre fils. Ils sont venus ici. Ils m'ont pris l'orbe et... Ils vont à Siwa. Siwa ? Bayek, Aya, votre peuple est en danger. Partez vite ! Fais bon voyage, Apollodorus, vers la maison d'Hadès. Et ceci, les dieux eux-mêmes. C'est toute l'histoire de l'humanité. Bayek. Bayek. C'est Hebzepha. Oh, mon Seni. Ta vie a pris fin dans la poussière du désert. Ils m'ont pris, mon meilleur ami. Nous devons arrêter Flavius. Non ! On ne peut pas le laisser ici. Il mérite de vrais adieux. J'ai vu ce qui s'est passé. C'était horrible ! Les chefs romains sont venus à la crypte du temple. Septimius et Flavius. Les objets qu'ils portaient l'ont ouverte comme l'aurait fait la main d'un dieu. Hebzepha a tenté de les arrêter, mais ils ont fait de lui leur fantin. Ils sont entrés dans la crypte. On aurait dit qu'un feu bleu en sortait. J'ai fui, mais en vain. Tous les habitants ont perdu la raison. Ils sont tombés comme des poupées. Ils ont détruit Siwa. Ils doivent mourir.
Vous devez mettre fin à tout ça! Bayek! Aya! Les prières de tous les habitants du village vous accompagnent. Occupons-nous d'abord d'Ebzefa. Ensuite, nous rendrons la justice. Laissez passer les embaumeurs. Prions pour qu'Anubis accepte cet ornement à la place de son cœur. Prions pour qu'Ebzefa puisse arpenter les champs de roseaux. Arrête, Pereruka, je t'en prie! Par mon serment sacré, pardonne-moi! Je ne suis pas ton ennemi. Je suis désolée, mais c'était un homme si doux. Une fois, il m'a demandé de soigner un chien blessé qu'il avait pris dans un collet. Pourquoi a-t-il fait ça? J'ai déjà vu ça, à Siwa. Je cherche le mangeur d'âme qui est responsable, Flavius. Le proconsul? Cette charogne sans âme a tué mon fils, rasé mon village, et aujourd'hui il parcourt ta région dans la lumière de Ray. Viens, on va fouiller la ferme, chercher des survivants. Je suis Bayek de Siwa. Praxila, de cette région devenue folle. Nebet, tu n'es pas blessé? Que s'est-il passé? Des capes rouges et cette vermine à la tête de lion. Ils ont emmené tous ceux en état de travailler, les fermiers, mon fils cadet. Puis, il est arrivé. Les yeux noirs, sombres comme un corbeau. J'ai voulu lui jeter des pierres pour le chasser. Une chose brillante, dorée entre ses griffes. Il l'a brandi. En croissant, alors qu'il mourait. Certains de leurs propres mains, d'autres des mains de leurs proches. Un acte contre nature. Tout le monde pleurait, hurlait, courait, mourait. Et tu t'es enfui. Personne ne fait attention à une vieille aux yeux voilés comme Nénette. Je les ai vus et je n'ai pas crié. Je me suis mordu la langue jusqu'au sang. Les hommes qui ont fait ça, nous les retrouverons. Fais vite, ma fille. Le corbeau a volé vers le nord, là où vit la chasseresse. J'ai entendu les capes rouges. Ramène-moi, cadet. J'essaierai. Flavius m'a aussi volé mon fils. On va l'amener jusqu'à mon chariot. Lorsque tu arriveras à Cyrène, va trouver mon ami Dioclès. Je lui confierai ma vie, ainsi que la tienne. Il est magistrat. Il entend les requêtes à l'Agora. Donne-lui ceci. J'espère que ça guérira la folie de ces terres. Je prierai pour que tu obtiennes justice, Bayek. Il est revenu de Balagraï complètement enragé. Il a exigé mes impôts de toute l'année. Quand j'ai refusé, ils ont brûlé ma ferme. Tu es sûr qu'il s'agissait des hommes de Léandre? Et ma femme qui disait qu'il ne fallait pas lui résister. Ah, je déteste quand elle a raison. Léandre paiera. Tu as ma parole. Ta parole, Dioclès? Qui va ensemencer mes champs? Qui va redonner vie à mes chèvres? J'en ai assez de ce pays, et de toi aussi. Ta parole... Et toi, de quoi notre vénéré magistrat t'a-t-il escroqué, Égyptien? Praxila dit que tu peux m'aider. Je m'appelle Bayek. Comment va-t-elle? Aussi bien que possible, compte tenu des crimes de Flavius. Je suis la piste sanglante de ce chien depuis Siwa. Les rumeurs sont fondées? Oui, comme ces préparatifs de guerre. Un oppresseur de plus. L'Égypte ne retrouvera jamais la paix. Les invasions se succèdent. Flavius fera de l'Égypte un vaste tombeau. Il gouverne depuis l'Acropole, mais l'endroit grouille de Romains. Je prie pour que le sort te soit favorable, Bayek. Je dois m'occuper de ce magistrat véreux, Léandre. Reviens me voir, si tu veux aider la cause de Cyrène. Merci, Dioclès. Il est temps que mon fils rejoigne les champs de roseaux. «
Tu crois vraiment que je ne te sens pas rôder dans les ombres, Bayek de Siwa? J'ai remonté ta piste de meurtre et de massacre depuis ma terre natale. Maintenant, prépare-toi à payer pour la mort de mon fils! Non, Égyptien. Prépare-toi à te prosterner devant Dieu! C'était un enfant, Flavius! Mon enfant! Eh bien, vois-tu, c'est l'une des seules choses que je ne regrette pas. Tu n'auras jamais la paix! La mort de ton fils m'a valu le respect de l'ordre! Et de César, je tenais Rome! Elle m'a apporté un empire. 1000 fils, tous plus grands les uns que les autres. Ah! Allez! Achève-moi! Sale lâche! Tu perds du temps! Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas! Tout va bien, papa. Non. Je vais te perdre à jamais. Pas à jamais. Je t'attendrai dans les champs de roseaux. Bayek. Ça fait si longtemps. Flavius est mort. J'ai affronté l'horreur pour arracher notre fils à la droite. Kemu est en paix. Puisse-t-il arpenter les champs de roseaux? Je vais à Rome pour... Rome? Aya, tu ne vois donc pas la folie de tes ambitions? J'ai fait des erreurs. Tu en as fait aussi. Aya, tu gaspilles ton énergie. Ah. Tu es le célèbre Medjay. Phanos ne cesse de parler de tes exploits. J'ai formé un groupe. Voici Brutus et Cassius. Ce sont nos frères romains. Nous allons abattre ces chiens à l'autre bout de la mer. Septimius et César. L'ordre n'est plus seulement le souci de l'Égypte. Cléopâtre règne toujours. Personne ne règne sur l'Égypte. Elle est soumise aux caprices de plusieurs tyrans. Notre reine nous a abandonnés pour Rome. Rien n'a changé ici. Memphis est sous l'emprise de l'ordre. Aya, tu dois agir. Nos victoires s'accumulent, mais notre lien se délite. Nous sommes destinés à nous quitter. Tout nous dit que notre amour est impossible. Tu avais raison. Nous luttons pour quelque chose de plus grand. Mais notre amour vit dans la droite. Sauf qu'il nous faut l'abandonner. Laisse les dieux en décider. Les dieux sont morts. Nous devons oublier nos vies pour le bien commun. Toute cette souffrance avait un sens. J'ai eu tort, nous n'aurions pas dû tuer en public. Nous devons œuvrer dans l'ombre. L'Égypte est à terre. La Grèce aussi. Rome tombera à son tour. Tous tomberont devant le credo, mais personne ne le saura. Quand nous assassinerons, nous ne frapperons que ceux qui le méritent. Les quelques esprits malades qui veulent nous contrôler. Mais ils ne sauront jamais qui nous sommes. Froids, calculateurs, des poètes de la mort. Je suis d'accord, Aya. Je ne suis plus un père. Je ne suis plus un mari. Ni même un Medjay, je suis... celui qu'on ne voit pas.
Oui. Nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Nous aiguisons nos lames pour attiser l'espoir de ce monde en ruine. Bayek. Bayek de Siwa. En quoi crois-tu? Au nouveau credo. Le nôtre n'est plus. J'aurais dû t'écouter. Abibti. Ces mots ne seront pas tes derniers. Putain, vous êtes qui ? Ah ! William Miles, ça te dit quelque chose ? L'assassin ? Donc tu me connais ? Nous, les assassins, nous t'avons observé. Il est... inhabituel pour un employé d'Abstergo de s'intéresser à une révolution. Là, vous n'avez pas tort. Nous avons suivi ton travail sur l'Animus. Étonnant ce que Diana et toi avez accompli. Dis. Ils t'ont menti, hein. Sophia Rikin t'a fait tellement de promesses. Ça suffit! Je refuse de parler d'elle. Oui. Nous aurons des tas d'autres sujets à aborder d'ici Alexandrie. Si vous croyez que je vais venir avec vous... Eh bien, voyons tes autres options. Tu peux venir avec moi, ou rester ici pour jouer la danse de la mort encore et encore jusqu'à ce que tu commettes une erreur. Il te suffit d'en faire une seule. Tu ne peux pas revenir à ton ancienne vie, Leila. Je n'y comptais pas. Mais tu pourrais enfin travailler sur le projet Animus. Notre version, bien sûr. Et avec nous, tu seras toujours libre de faire les choses comme tu l'entends. Bien. Je suis partante. Ce qui ne veut pas dire que je rejoins votre camp. Je comprends. Est-ce pour Foxidas? Un présent? Non. C'est un souvenir. Je ne veux pas en parler, Damastès. N'est-ce pas à Bayek? Confie-le-moi, je vais l'apporter à Foxidas. Il adore ces objets. Et si je te tuais, t'en penserais quoi? Je ne suis pas d'humeur à plaisanter aujourd'hui. Nous avons dépassé Néapolis à l'aube. Si le vent se maintient, tu seras au Forum de Rome d'ici 2 jours. C'est terminé entre Bayek et toi, hein ? Je le sens. Aucune décision n'est aisée. Mais tu as été choisi. Et te voilà libre, comme moi. Un nouveau jour commence. Démons avalés par les eaux! Ouais, fainéants! Rejoignez les autres! C'est un beau jour pour mourir! Vers quel port est-ce que tu nous conduis? J'aimerais essayer une ville appelée Antium. Son port accueille beaucoup de marchands. Ce sera plus sûr pour vous. De là, Rome est à une demi-journée de cheval. Dans quelques jours, César deviendra officiellement un tyran. Le voilà. Le peuple t'aime, César. Tu es un dieu. Le Sénat sera moins facile à convaincre. Cette assemblée de poules bavardes. Laisse-moi être ton loup.
Allez, ne faites rien avant mon signal. Sois maudite, Lupa. Le cœur de mon fils. Contre ta vie. La vengeance t'a apporté ce que tu voulais. Le Medjay et toi allez tremper votre couche de sueur ce soir. Le bâton. C'est l'ordre qu'il a. Je l'ai servi comme l'Égypte que tu aimes tant. J'aurai ma récompense dans l'autre monde. Pour l'éternité, du vin et des femmes parmi mes frères. La seule chose qui t'attend, c'est l'oubli. Pour ton nom, ton ordre et les corps putréfiés de tes Gabignani. Qu'Apep dévore ton cœur fétide. Vous êtes libre! Je te connais? Toi qui frappes depuis les ombres? Le même sort s'abattra sur tous les despotes. À la fin, il est impossible de ne pas devenir ce que les autres voient en toi. Et j'ai été un dieu! Il existe un nouveau credo. Rome est éternelle! Elle ne tombera pas devant toi, ni les tiens. La liberté ne se donne pas, César. La liberté se prend. Requiescat in pace, César. Tu sais ce que tu as fait? Césarion se serait assis sur le trône de Rome. Écoute les cris dans les rues. Ils pensent que tu étais la putain d'un tyran. Je suis toujours ta reine. Tu es la reine des menteurs et des serpents. J'ai combattu 5 ans. Notre peuple te vénérait. Apollodorus est mort pour toi, pour l'Égypte. Pour l'Égypte. Je suis l'Égypte. Alors sois la reine que notre peuple mérite. Ou rien n'empêchera ma lame de te trancher la gorge. Tu es la dernière des pharaons. Bayek, César a été assassiné. Septimius est mort, lui aussi. J'ai créé un bureau au cœur de Rome. Mais personne ne connaît notre existence. Comme Amon, nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Je crois en toi.
L'ironie de la liberté. Nous sommes libres l'un de l'autre, mais cela ne m'apporte aucune joie. Nous devons aller de l'avant, demeurer dans notre tourbillon de poésie sanglante. En dépit de tout, nous dansons, et ils meurent. Des ténèbres nous sommes issus, et dans les ténèbres nous resterons. Les humains ne sont pas promis à l'éternité, mais ce credo, si. Le credo est la seule chose immortelle en ce monde. Partez, vous êtes libre. Je ne veux pas rentrer tout seul. J'ai peur. Est-ce qu'on l'emmène au bureau ? Non. Je vais te ramener. Ne laisse jamais la peine peser sur ton âme. La vie est brève et le temps est cruel. Mais moi, je ne suis plus celle que j'étais. J'ai renoncé à tout l'amour que j'ai reçu. J'ai renoncé à Aya. J'ai tué Aya. Je suis celle qu'on ne voit pas, celle qu'on appelle Amunette. Puissent nos victoires se multiplier.